Et bien le bonjour, bonsoir les amis, bienvenue sur Père la Galère Gaming. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Nous sommes sur The Medium ce soir. On va continuer notre aventure. Alors je suis pas certain de savoir combien de temps encore il nous reste de jeu, mais je pense que là c'est soit le dernier, soit l'avant-dernier. On est sorti de la forêt et là du coup on est au niveau des ruines et on doit se faufiler. Je pense qu'il va falloir qu'on sorte de là. On va passer en plein écran comme ceci. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé un bon début de semaine et que vous êtes en pleine forme. On est parti pour une heure et demie plutôt, tout au plus de live pour ce soir. On est avec notre belle médium ici présente et du coup on va essayer de se barrer de là en fait. Alors je pense que normalement on doit avoir quelque chose ici. Je vais faire attention 2 secondes au niveau des commandes. On va regarder un petit peu si jamais on a rien qui se passe, mais on n'a rien. Est-ce que on a besoin de se dédoubler? Pas sûr. Je peux faire. Ok. Allez, ben on va prendre le coupe-boulon, je pense que c'est le mieux. Hop, on appuie dessus, coupe-boulon, bien sûr. Hop. Normalement, ça devrait aller. Allez, on va sortir de là. Alors... On dirait une sorte de mine abandonnée, un truc dans ce goût là, en fait. Mais pas trop. Regardez par là. On a quelque chose à repérer de spécial. La caméra est fixe en plus, on peut rien bouger là, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un générateur. Est-ce qu'il marche encore? Ouais, je pense que pas du tout, mais on va l'essayer quand même. Et ouais. Alors, pas de carburant sans doute. Ok. Et donc? On va regarder ce qu'on a là. Fermé, bien fermé, je crois qu'il manque un levier. D'accord, donc il nous faut un levier et il nous faut certainement trouver de l'essence. On va vérifier, ouais, mais... Ok, c'est bon, c'est ça. C'est ça, pas d'essence. Donc, on n'y arrivera pas. On va essayer de regarder par là-bas, du coup. Est-ce qu'on peut... Alors, ça, c'est pour s'accroupir. C'est quoi pour courir? C'est là. Eh ouais, parce que ça fait une semaine qu'on n'est pas revenu dessus, donc du coup... Après, je me souviens plus, tu sais... Alors, de l'essence, on a un jerrycan ici. On va fouiner, on va mener notre enquête, on va fouiner. Vieux bidon d'essence, est-ce qu'il y a de l'essence dedans? Bonne question. On va retourner de l'autre côté. Attends, on va regarder un petit peu autour. Hein. Et je pense que là, il n'y aura pas grand-chose. Mais on ne sait jamais, je préfère vérifier. Est-ce qu'on peut aller sur ce côté-là? Oui, on peut aller sur ce côté-là. Il y a vraiment qu'il y a quelque chose là, ici. Ah bah pour grimper. Allez. Ok, bah écoute, on va couper la chaîne aussi. Ouais, je pense qu'il y en a encore peut-être pour 3 heures peut-être de live dessus. 3-4 heures. La vache, ça fait du bruit. Faut faire attention, par contre, il y a le gros méchant qui nous court après. Pas chewing. Il y a quelque chose par là, il me semble. Est-ce que je dis pas de bêtises? Si, je dis des bêtises, on va faire le tour de toute façon. On ira de l'autre côté après. Est-ce que tu peux passer là? Non. Donc on va passer à l'intérieur, juste là. On est toujours à la recherche de tristesse et... ok, mais pourquoi sommes-nous passés là si on n'a rien à y faire? Il peut bien y avoir quelque chose à y faire par là. Alors peut-être passer devant, en fait, tout simplement. Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut descendre là? Non plus. On a fait ça, mais à quoi ça sert? Et ouais. Et
On va regarder qu'on ait rien non plus quand même de l'autre côté. Ok. Alors. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. On a peut-être. Est-ce qu'on peut passer peut-être sur l'autre côté? Wow. C'est quoi l'histoire là? Non mais ce bruit, mais ça m'a fait tellement peur les gars. Ça m'a fait tellement tellement peur. Oh sérieux. Non, non. Yes, on était arrivé. Elle a voulu tomber. Elle a failli tomber. On était juste arrivé. Je me souviens plus comment on bouge son nez. Je me souviens plus comment on bouge son nez, comment on retient sa respiration. C'est passé par là. Pas pourquoi ça lag, tu sais, ça lag complet et du coup t'as l'impression qu'elle va tomber. Mais tout droit ma belle, sois gentille, ne fais pas de blague, ça va le faire. Mais du coup ouais, je me souviens plus du tout comment on... je me souviens pas du tout. Et comment tu vas, m'écouter? Oui. Je me souviens plus comment on stoppe notre respiration en fait. Putain, je sais plus du tout. Comment tu vas mon loup, t'es en forme? Alors on voit, il y a de l'ombre là-bas, mais... Ah, il revient. De passer à la discret. On va essayer de passer là discret. Il faut attendre qu'il parte pour certainement. Mais c'est le truc qui est juste là à notre gauche en fait. Mais il n'a pas l'air de vouloir partir, le moche. Allez, allez. Je voulais avoir l'obligeance et l'amabilité de dégager. Tu vas voir, on va sortir, il va nous... il va nous soulever comme Jaja. Ça va très très bien, mon chou, ça va super bien. Je sais pas s'il faut rester là ou s'il faut... Il faut actionner là-bas. Normalement, il bouge, il reste pas, il reste jamais tanké comme ça, mais... on va se la tenter, c'est pas grave. Hein. Le coup de boulon, je crois pas. Hein. Ah, c'est pas ça. Faut qu'on fasse demi-tour parce que c'est pas ça du tout. Il faut que j'arrive à trouver autre chose. Pas ça du tout. Est-ce qu'on peut passer par ailleurs? Parce qu'en fait, j'ai rien.
Et j'ai rien pour couper ça. Je sais pas par où passer du coup, puisque un peu bizarre. Bon, est-ce qu'il y a autre chose par là, là? Je n'ai pas vu. Ah, là la caméra ne veut pas y aller, donc du coup je sais pas du tout. Chouchounette, t'es où? Elle a disparu, tu sais. Alors comme ça fonctionnait pas, mais peut-être je me suis trompé. Peut-être il y a quand même quelque chose à faire. Alors lui il reste tanké là-bas, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a quelque chose par ici? Non. Les bruits, oh, il me fait tellement peur ce jeu. On peut passer par là en dessous peut-être, regarde. Est-ce qu'on peut? Rien du tout. Est-ce qu'on peut se dédoubler avec Josiane là? J'ai pas l'impression qu'on puisse la dédoubler notre copine. Je sais pas avec quoi couper ce truc là. On n'a rien trouvé par terre, à moins que j'ai loupé quelque chose là, mais l'autre il est là. Faut passer par là, mais est-ce qu'on va arriver à passer par là sans se faire choper, tu crois? Par le trou là. Nous avait. Non, oh, putain, on était passé les gars. On était passé, il nous a vu après. Ah zut. Mais je j'arrive pas à actionner son dédoublement. Peut-être c'est normal, mais dommage. On va essayer de repasser, il faut passer par là, mais c'est bizarre qu'il parte pas en fait, qu'il reste tant qu'il est là. D'habitude il bouge toujours un peu, mais j'ai pas vu bouger là. Oh, c'est pas très grave. Allez, hop, c'est parti. Comment est le son? Il est pas trop fort, j'espère, pour vous, le son. Allez, loulou, je l'ai remonté un peu parce qu'en vrai, il était. Tellement peur ce mec. Merci mon chaos. Le monde à l'envers. Chaos. Mais tu vois, je. Vas-y, reviens tanker là. Il revient se tanker là. Je me souviens plus comment on se bouche les museaux pour plus qu'ils nous entendent en fait. Ah putain, il était face à moi. Je sais pas comment faire. Est-ce qu'on court ou est-ce qu'on court pas? C'est une bonne question. Est-ce qu'on court ou est-ce qu'on court pas? C'est une bonne question. C'est un plaisir d'aider. L'on est heureux de pouvoir servir, tu sais, c'est ça. C'est complètement ça. C'est l'homme bicentenaire. Qu'est-ce qu'il était bien ce film. Il était tellement bien ce film. Ah non, putain.
Je sais pas comment passer là. Je sais pas du tout comment passer. Je sais pas du tout comment le passer, clairement. Parce qu'en plus il stack là devant là. Et du coup. Comment ça a été ton après-midi? Ça a été mon chaos? Ah voilà, c'est ça. Vite. Voilà. Il est sympa le mec, hein. Il veut, je sais pas la peau de qui il veut enfiler, mais. Terrible. Mais du coup, on n'a rien de. De clé. Le bonjour, putain, mais c'est tellement. Il est tellement glauque, le mec. Oui. Une veste en cuir de toi, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est... Une veste en tweed, tu sais. Là, c'est le problème, tu sais, quand on joue pas, c'est un jeu. Alors, est-ce que par là on peut passer? Je ne pense pas. On va aller de ce côté-là. Même si lui est là. On va se plaquer contre le mur. Mais du coup, on n'arrive pas à se dédoubler là. C'est ça qui me pose problème en fait, mon cabot. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'y arrive plus. On a fait le on avait le bidon d'essence, mais il nous faut clairement de quoi couper la corde. Et il me faudrait le levier aussi. Alors regarde. Ouais, ça c'est bon. On est bon. Putain, il fait un bon con. Ok, le levier c'est bon. Il nous manque que le couteau, je pense. Wow. Ah oui, il aime pas. Il aime pas, je sais pas ce qu'il a fait, mais il aime pas du tout le mec. Donc là, on va certainement pouvoir ouvrir. Par contre, on n'aura pas le. On n'aura pas le. Est-ce qu'on va venir au générateur? Par contre, on n'aura pas de quoi couper la corde qu'on avait vue tout à l'heure, mais. Bon. Peut-être que. Ça, on peut le lever. Par contre, bim. Comme ça, coupe boulon. Allez, le passage est ouvert. Et je pense qu'il va falloir courir tout simplement. On va essayer. Allez hop. On va mettre l'essence là. On a pris un jerrycan, donc on va commencer par, bah ouais, par mettre l'essence. Alors c'est pas ici. Du coup, par où je peux la mettre l'essence? Les chouchous. Alors bon. Peut-être. Ah. Bim, déjà. Ah oh d'accord, ça a ouvert tout seul. Ok. Gate's open. Now let's get rid of that fucking thing. Il faut encore que je me débarrasse de cette horreur, tu m'étonnes. Mais du coup, alors attends, on va quand même regarder parce que moi je veux bien, mais. C'est là-haut, regarde, c'est là-haut, chou. Voilà, on l'a trouvé. Bim. Et normalement, avec un peu de chance. Ouais, il restait un petit peu d'essence dans ce vieux bidon, c'est pas beau la vie les gars. Ok pour là, est-ce qu'on rebouche le bout? Est-ce qu'on peut reboucher ou pas? Et du coup on s'en débarrasse comment? Avec ça en remettant l'électricité tu crois? Pourquoi pas, why not? Ouais, et donc?
ça fait un boucan de tous les diables, ça. Mais du coup... Est-ce qu'on est censé faire ça maintenant ou est-ce qu'il faut le faire plus tard? C'est une bonne question, ça. Hurlement joyeux. Ah. Te voilà, ouais. Te voilà, toi. Yo, yo. Alors, il est où? Il est là-bas de l'autre côté. On va regarder ce qu'on a là. Si on peut pas le. Je sais pas. Lui faire un truc, un coup de Trafalgar Square, on ne sait rien. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a rien. On peut pas aller plus par là. On va regarder de l'autre côté si on a quelque chose. C'est l'avantage. J'ai pas l'impression, je pense que. Ça a l'air d'être bloqué. Écoute, on va pousser le générateur jusqu'au bout. Si j'arrive à le sortir de la balle et bloquer complet, tu sais. Allez? Non, mais allez. Sérieux? Putain. Ok. Ça va. Est-ce qu'on a notre truc? Par là, faut voir un peu. Non, j'ai rien. Ce qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est que. Ici. Ici, on avait ouvert un petit passage. Remarque, c'était pour monter de l'autre côté, mais je suis en train de réfléchir parce que tu sais, il y avait un ciseau. Il y avait un ciseau quelque part. Est-ce qu'on peut. J'ai pas l'impression qu'on puisse retourner en arrière en fait. On va pousser ça jusqu'à là-bas. Et par là, est-ce qu'on a quelque chose? Ah oui! Oui, on a quelque chose, mais. Oui, bah voilà, c'était pas par ici qu'on est passé tout à l'heure. Si, je crois que oui. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose par là? Ce qui serait vraiment sympa, ce serait... Oh là là. Enfin, je le sens, je l'entends, tu sais, c'est terrible. Il me fait tellement peur, le bestiau, là. C'est n'importe quoi. Mais donc, du coup, tu vois, je pense que là-dedans, il y avait vraiment quelque chose à trouver, non? Ça me paraît bizarre de nous faire passer par là. Bon, ils nous ont fait ouvrir ça et passer par là juste comme ça. Mais c'est dommage qu'il n'y ait rien d'autre, en fait. Pas du style par ici, là. Du style un petit ciseau par ici, les gars. Soyez, faites un effort un peu. Non, pas du tout. Ok, bon, moi, c'est pas grave. On y retourne. Très bien, dommage. Parce que le coupe-boulon, il n'a pas servi, quoi. Mais pas du tout. Est-ce qu'il est re là-bas si jamais on passe par là? Peut-être je me tire la nénette pour rien, tu sais. Peut-être je me fais. Écoute, on va passer avec le truc là-bas. Peut-être je fais. Peut-être je réfléchis trop. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Peut-être j'en veux un peu trop. Et du coup, trop de réflexion tue la réflexion. Bon, peut-être aller dans le move. Mais du coup, t'étais sur quoi comme jeu, mon chaos, tout à l'heure? Cet après-midi, j'ai vu que tu es live, mais j'ai malheureusement pas pu passer. Ah, mais voilà! Mais génial, bravo! Ok. Elle était pas contente. Hein. Hey, salut ma Soso, comment tu vas? Eh non, c'est Pal. Salut mon Pal, bienvenue mon chouchou. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir, écoute. Donc du coup, comme je vous ai boosté le son du jeu, ça a dû... Je suis un petit troll, c'est ça? ça a dû vous mettre aussi la musique un tout petit peu plus forte de Soso, c'est rigolo. Est-ce qu'on a des choses à voir ici ou pas? Attends, on fait un peu le tour pour pas aller trop vite, mais et de ne pas louper de choses. Hop, voilà. C'est la porte ouverte verte à toutes les fenêtres, les gars. Bienvenue en tout cas, bienvenue mon Pal. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut passer par là? Pas du tout, Loïc. Tu te trompes. Allez hop, bah du coup je prends, et donc moi je prends l'autre, mais ok, de retour dans la forêt, on a réussi à sortir de ça là, cette, alors du coup, dans quel sens? Par là peut-être?
Allez. On se fait un petit jogging, comme tu vois, mon pal. Petit jogging bucolique en soirée, comme ça. C'est que du bonheur. Écoute, ça va, ça va. Ça va et ça va pas. Mon club de cœur. Non, mais. Ah ouais, je comprends. Ah, Liverpool, quel club. J'avoue. Je comprends. Je suis plutôt rugby, moi, mais j'avoue que Liverpool, ça parle à tout le monde. Ok. Ah bah tiens, tristesse, salut. Sadness, is that you? Hi Marianne. Did you find what you were looking for? Salut Marianne, as-tu trouvé ce que tu voulais? J'espérais que tu pourrais me le dire. Bah mais c'est clair, c'est clair, pal. Même moi je connais, tu m'étonnes. Remonte plus possible dans tes souvenirs. Que vois-tu? C'est un jeu? Oui? Non, ma chérie, c'est important. Écoute, je sais ce que Richard a fait. C'est lui qui te gardait. Ça va, je l'ai renvoyé, c'est ok. Il est reparti, toujours. Lily. C'est ton nom, tu te rappelles? De ce qui s'est passé, ton père, tu t'en souviens? T'en souviens-tu? Écoute, du travail j'en ai, mais voilà. En fait, du travail j'en ai, j'ai pas à me plaindre, j'ai jamais arrêté de travailler, donc de ce côté-là, niveau pécunier, si tu veux, c'est pas un souci. Le seul truc, c'est que heureusement que je vous ai, parce que ça commence à piquer un peu et à tirer un peu, tu vois. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on est enfermé comme ça. Et le problème, c'est que ma femme travaille le week-end et elle finit un peu tard. Et du coup, le week-end, en fait, passe très très vite. La semaine, on travaille, donc on rentre, machin, un truc. Mais du coup, tu peux rien faire, quoi. On va faire les courses, à 6h, c'est fermé. Ma femme finit, je vais dire une bêtise, mais à 3h, et le temps que tu ailles faire les courses, bah, tu peux plus rien faire d'autre, quoi. Donc, tu peux pas sortir jouer avec le minot aussi, une fois par semaine. Mais du coup, c'est casse-pied, tu vois. Et j'avoue que là, en ce moment, je suis pas... pas à prendre avec des pincettes et je suis pas piqué des hannetons, quoi. Alors heureusement que je vous ai vous pour me changer les idées et puis on est tranquille, on discute et puis on est entre copains, tu sais, mais ouais, j'avoue que c'est compliqué en ce moment. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde, hein. Je suis pas à plaindre parce que j'ai pas de problème d'argent ou quoi que ce soit. Ceci dit, la période est compliquée vraiment pour tout le monde et je pense que on a tous besoin d'un peu ça, quoi. Je comprends, ma femme bosse le samedi de 7 à 15h, ben voilà, comme la mienne. Et moi, la semaine, 7h30, et ben tu vois, moi, c'est 7h30, 17h. Donc, tu vois, on a à peu près le même emploi du temps, et du coup, c'est galère pour la famille, exactement. C'est exactement, exactement ça, quoi. Parce qu'après, à 15h, ben, si tu veux aller jouer, toi, t'as une petite fille, il me semble. Si tu veux aller jouer avec ta fille dans un parc ou quoi que ce soit, mais il faut que tu choisisses. Soit tu vas jouer au parc et tu passes une heure avec ta fille au parc, soit tu vas faire les courses et du coup, hop là, sous le nez, le parc. Donc, ouais, non, je trouve que c'est assez compliqué là, pour le coup, maintenant. J'ai pas beaucoup bossé en intérim car. Pas beaucoup de taf, j'ai touché, ouais, punaise, c'est terrible. Ouais, c'est vraiment terrible, ça. Ouais, ça c'est... Pardon. Ouais, non, je comprends, c'est... Mais complètement, ouais. Ouais, c'est... Mais coup de courage, en tout cas, mais je comprends bien. Ouais, je comprends bien. Mais nous, chez nous, du boulot, il y en a, quoi. Si tu es dans le bâtiment... Enfin, si t'es en intérim et que t'es dans le bâtiment, tu as du boulot à l'appel, en fait. Il y a des grues, tous les 200 mètres, il y a une grue. Donc pour le coup, c'est pas un souci pour nous.
L'école, c'est pas mal, KO. Ouais, reste le plus longtemps possible et utilise ton cerveau plutôt que tes bras. Ouais, non, mais ça, c'est, tu sais, c'est la même chose que je suis allé chercher mon fils à la garde, enfin, à la garderie, au centre aéré ce soir. Et ils te font attendre, 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 attendre. Pour le récupérer. C'est gentil, hein, mais j'ai pas envie d'attendre, quoi. Je viens de me taper 10 heures de pas, 10 heures de 10 heures de taf dans des conditions incroyablement casse-pieds. Donc, puis je suis arrivé, j'étais pourri, quoi, de la tête aux pieds. Donc, du coup, ouais, forcément, t'as pas envie d'attendre, quoi. Ils sont jamais sortis de l'école, la plupart, donc c'est compliqué. Ils savent pas ce que c'est que ton quotidien, en fait. Salut, mon Melio. Moi, en vrai, heureusement que j'ai trouvé une formation, sinon j'aurais rien du tout. Et ouais, mon beurre, et ouais. Allez, on est reparti, les gars. Tu as de la chance de te rappeler de ta maman. Moi, je n'ai pas connu mes parents. Ils ont eu un accident quand j'étais toute petite. C'est vrai, mon pal? Comprends ça depuis que j'ai des amis. Ici, on est seul, Marianne. Je ne devrais pas être là. Tu devrais peut-être mieux ailleurs. Je peux te me renvoyer? Ah non, Marianne. Ça va bien, mon milieu. Ça va bien, merci à toi. Je ne veux pas partir. Encore. Mais pourquoi? Tu n'as pas peur du monstre? Et du coup, ça se passe bien, ton régime vegan? Si, bien sûr que j'ai peur. Mais il n'a plus besoin de moi, c'est toi qui le veux. Et quand il t'aura brisé, quand il portera ta peau, il pourra enfin quitter cet endroit. C'est quand même un peu bizarre, hein. Je vous avoue que. Mais il ne sera jamais satisfait, il n'arrêtera jamais de tuer. Alors laisse-moi te renvoyer, qu'on parte toutes les deux maintenant. Tu te rappelles que. Non, Marianne, ça ne concerne pas que moi. C'est à toi de te rappeler. Ah, il y a un truc avec elle. Le rêve, l'incendie. Et coucou mon lion. La maison rouge. Ouais, mais c'est ça, il y a vraiment quelque chose, ouais. Il y a vraiment quelque chose qui la relie à cette fillette et puis avec Aniva. Tu y étais avec moi. Mais non, mais reste. Ah, mais y a pas de souci, pal. Sérieux, j'ai une de mes belles sœurs là qui est pas végétarienne, pas végane, mais tu vois, comme ça, elle mange pas de viande, mais après elle va manger des œufs et je vois que mon frère, il a fait ce régime-là, et enfin, il suit et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je devrais faire ça, moi, ça me ferait perdre du poids un peu, peut-être. Clairement. Ok, du coup, le mystère s'épaissit. On était bien là, ça, c'était sûr de 100%, les loulous, mais vraiment. Mais dans quelle mesure et pourquoi on est relié à ça? C'est une autre histoire. Allez, on va essayer de se. L'étincelle est trop faible. J'ai l'impression de louper quelque chose. Ah, il doit bien y avoir d'autres choses, bien sûr. On va rentrer là-dedans. Ça nous permettra peut-être de. Ah, quoique.
Oui, il doit falloir. Fais voir. Attends, on va regarder. Ouais, il doit falloir mettre une autre poupée, je suppose. Il y en a une, deux, il doit falloir en trouver une troisième. Allez, on va rentrer par là. Il y a une sorte de générateur, non, il me semble, là. Comment tu vas, mon Lio? Ça va, t'es en forme? Ok, petit cheval à bascule, on va regarder ce qu'il nous dit. Il doit bien nous dire quelque chose. Ouais, ici. Are you looking for this little girl? I'm sorry, but father doesn't like it when I talk to strangers. Désolé, mais papa n'aime pas que je parle aux inconnus. Il a bien raison. Il est la fille du directeur, pas vrai? Tu sais où il se trouve? J'aimerais beaucoup lui parler. Go away. Partez, sinon je crie. Petite futée là. Ok. Y a-t-il autre chose? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Tiens, regarde, on a autre chose ici. Bim. Hells Angels. On va lire bien sûr ça. Mon petit Hells Angels. Alors il y a une photo, mais est-ce qu'on peut retourner? Oui, lire. Alors Francis, qu'est-ce que je vais faire de toi quand Niva a fermé? Tu m'as supplié de te garder, tu disais avoir besoin de temps pour faire le tri dans ta vie, que tu pourrais être utile maintenant. Je sais que je suis comme prétexte à tes yeux, comme ces lettres que tu persistes à écrire. Ça fait que tourner. je sais que tu n'en as jamais envoyé une seule. La famille va bien, monsieur R. Je rentrerai sûrement au printemps prochain, à l'été plus tard. À qui tu veux faire gober ça, Franck? Enfin, tant que tu es là, je peux au moins te tenir à l'œil. Évite de t'é... Mais on l'a pas lu, ça, déjà? Peut-être. Oui, je pense que oui. Je pense que... Ah oui, bon vieux Franck, on l'a déjà lu, ce truc-là. Je me disais aussi... Alors... Non, mais je sais bien. J'ai eu le... Mais ouais, ça, tu m'en avais parlé, ouais. Ça, tu m'en avais parlé au niveau des abattoirs, ouais. Pendant deux semaines, mon contrat, je veux pas interdire la viande, loin de là, mais prendre de la bonne viande, manger moins de viande. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, manger moins de viande, mais plus sain en fait. Ah oui, en plus, le jambon Airtail, c'est pas la vraie couleur de la du jambon en fait. De l'élevage intensif à l'abattoir, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et quand on était petit avec mon frère, on avait assisté à. Un paysan qui avait abattu un cochon et qui avait. Moi, si tu étais là, c'était chez toi et qui avait tout naturellement tué un cochon pour en faire tout ce qu'il y avait à faire en fait. Donc il me faut quelque chose là, il me manque quelque chose. Tiens, on a quelque chose par là. J'ai l'impression en tout cas. Et pour en faire du saucisson, du. Ok, c'est bon, on va prendre ça. Bien ce qui me semblait, c'est qu'il manquait de quelque chose. Alors là, est-ce qu'on peut l'actionner? Je pense pas. Non, c'est pas pour toi ça. Tu demandes mon chéri avant de rentrer. C'est pas possible ce que tu fais. Alors qu'est-ce qu'elle dit? J'ai pas entendu en fait. Donc là, il faut quelque chose pour lever ça. Moi, est-ce que normalement. Aller voir avec elle si on a un coup de boulon par là. Alors du coup, attends, on va faire les choses dans l'ordre parce que je peux pas faire ça en vrai. Je peux pas faire ça maintenant parce qu'on va avoir un sous-sail sinon. Ouais, je suis... Bah, alors... Venir d'explorer ça. Je suis... Allez, c'est ici. Mais je suis conscient de. On est tous conscients de ça. No, they're already on to us. That son of a bitch is one of them. I can feel it. Fine, we'll make sure. Come on, it's almost on. One of them. Who are you running from, Thomas? Qui voulais-tu échapper, Thomas? Mais je suis d'accord avec toi hein, pour l'entièreté de ce que tu viens de dire.
Pourquoi t'es bloqué, chaussonnette? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? L'affaire Gemini, 1983, 27 juillet. L'enquête progresse, mais je crois que Redwick commence à... il faut que je fasse vite. C'est ce soir ou jamais. Il était au courant pour Thomas, mais qu'est-ce qu'il savait au juste? Et surtout, qui sont-ils? Complètement. On a vu ça, on a vu ça. Et la vieille moto là, oh, hey, elle est magnifique. Clairement, elle est super belle. Punaise, ce serait tellement bien d'avoir une moto comme ça en fait. Ouais, mais il faut pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a quelque chose sous le moteur, il faut que je le soulève. D'accord, voilà, on y arrive. Ok, on y arrive. Donc, qu'on va faire? Maintenant, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Normalement, on a vu tout ce qu'on avait à voir. Ou pas. Non, tu vois, j'avais pas vu ça. Si, si, c'est bon. Donc, on va repartir vers l'extérieur. Vers l'extérieur, pardon. Mais la façon dont tu vis et ce que tu veux manger ne regarde que toi. Et moi, je suis totalement conscient qu'il faut qu'on sorte totalement de cette société de consommation. C'est complètement une aberration de faire de l'élevage à la chaîne qui ne respecte pas l'animal, qui ne respecte pas la planète sur laquelle on vit. Et du coup, je vois pas du tout l'intérêt. Si encore tu faisais ça et que... Les milliards de personnes qui ont pas à manger, mais ils pouvaient manger, je à la limite, tu vois, c'est pas un problème. Mais comme c'est pas le cas, du coup, je vois pas le bénéfice. Est-ce que par là, est-ce qu'on l'actionne d'ici, vous croyez? Non, je crois pas. Pas de là. On peut grimper là, simplement. Non. Je me mets là, est-ce que ça fonctionne? Je sais pas, il faudrait que j'arrive à grimper à l'étage en fait, non? On peut grimper à l'étage. Alors attends, je sais, je crois que j'ai vu un truc mais j'en suis pas tout à fait certain, donc on va regarder, on va reprendre un petit peu tout ça là. Non, mais il n'y a pas besoin d'être vegan pour comprendre l'absurdité de certaines choses et de certaines pratiques, et je te dis, moi j'ai la belle-sœur qui pas vegan mais végétarienne de sûr, et au minima, tu vois, au minima végétarienne en tout cas, et voilà, et ça va bien, et mon petit frère du coup bah il suit le move, et ça va bien, et il est bien, il est beau, jeune et svelte, et puis voilà, et puis c'est nickel quoi. Il n'y a pas de... Est-ce qu'on peut grimper par le côté ou pas? Voilà, c'est ça. C'était bien ce qui me semblait, qu'il fallait grimper à l'étage, mais j'en étais pas sûr, tu vois. Par contre, il faut se dépêcher. Mais je comprends, et puis c'est tout à fait... Enfin, moi, je suis... Je comprends tout à fait ça. Et je suis pas loin de me dire que peut-être, tu vois... Mais clairement, il faut... Pour faire les choses mieux maintenant, manger mieux, manger sain, vivre différemment, vivre autrement. Ok, allez, c'est allumé. Est-ce que... Alors, c'est de l'autre côté. Allez, hop.
Comment ça, il n'y a plus de courant? Mais bien sûr, je viens d'en mettre. Sérieux, là? Je viens... Ah, mais... Déjà? Mais finesse, il faut se bouger la nouille. Ah ouais, non, il faut aller super vite, en vrai. Ok, bah écoute, on va essayer de faire plus vite. Allez, hop. Il y a un timer. Une fois qu'on a enclenché ça, il faut vite se... Il faut aller un tout petit peu plus vite. Allez, on va le refaire du coup. Voilà. Tout simplement. Ouais, parce que punaise, l'électricité, elle est pas assez longtemps, les gars, je vous dis que ça. Ok, on va prendre le cric et on est bon. Parfait. Parfait, parfait. Allez hop, dans l'autre sens avant que ça nous retombe sur la figure. On va, par contre, on va ressortir, tu sais, on va reprendre un petit peu de quoi se défendre. On sait jamais s'il y a Jean-Maurice là qui a la mauvaise idée de revenir. Yes, papa. Allez. Hop. Allez, coupinette. Alors, ici, on va prendre ça, bim. Et on va actionner ça. C'est bon? Allez, c'est bon. Oh, bah alors, baisse-toi. Oula, ça a lagué un peu. Est-ce que c'est la Maison Rouge? This was the place. The answers were right in front of me, buried among the ashes. There's got to be something left. Oula, 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 y a quelque chose ici. Y a quelque chose ici. Allez, souvenir. Voilà. You think you're tough? When you hear them squeal and you smell their bodies burning, you'll tell me everything. You'll beg me to listen. God. There were children inside. Was she? Was I? Alors, il y avait des enfants. Est-ce qu'elle y était? Est-ce qu'elle n'y était pas? Bonne question. Allez, on va regarder dans cette maison. Aïe, 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 aïe. L'esprit de ce lieu n'a jamais cessé de brûler. Quoi? Ok, 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 ok. Est-ce que je me protège? Non, non. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Le tour par là? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut passer sur le côté là? Non. Comment on va rentrer là-dedans s'il nous laisse pas rentrer? Spécialement, je... Est-ce qu'on a autre chose? On va regarder si on peut pas faire le tour par ailleurs. On peut. On a quelque chose, on a quelque chose. Jerrycan. Ah, il a mis le feu. Mais je sais pas qui est-ce qui a mis le feu par contre. God damn freaks. You think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Jesus.
C'est qui ce type, nom de Dieu? Du coup. Goddamn freaks! You think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Donc lui, il a voulu faire brûler tout le monde, mais on ne sait pas pour quelle obscure raison. Attends, il faut faire attention qu'on n'ait pas d'autres trucs là. Là, on peut pas passer. Du tout. On va revenir vers nous. On ira voir de l'autre côté de la maison, mais pas sûr qu'on puisse faire quelque chose. Ouais. C'est toujours un peu spécial l'ambiance. Normal, hein, mais. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, ça, c'est un vieil arbre. Tendu au milieu. Et du feu. Et on peut toujours pas rentrer. Toujours pas rentrer. Bonne soirée mon pal, bonne soirée, merci. Alors, chouchou. Elle veut pas. Hear them squeal and you smell their bodies burning. You'll tell me everything. You'll beg me to listen. God. There were children inside. Pas passer par là. Pas passer par ici. C'est rigolo parce que quand on s'éloigne, tu sais, le son du jeu il disparaît en fait. Donc là on a l'arbre, ici on peut pas passer. Et du coup, rien qui ressemble à quelque chose. Là-bas il y a un. Le portail, mais. Non. Là il y a le monsieur là. Le même. On peut passer par là. Pas l'impression. Ah attends, j'avais pas vu. Ok, ça va nous amener ailleurs. Ah qu'on compte. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Le briquet. Ouais. Ah, ça lui a rappelé quelque chose. Ok, let's see who you really are. You fuck. Locked tight, huh? You wanna give it a go? Be my guest. Nah, this one's all yours. I'd like to think I'm more of the brains of the operation. Hey, I got an idea. Why don't we or that? Yeah, word two, I guess. Right. What do we have here? Hello, William. Non, je savais qu'il était pas net. Security service. Police. La police secrète. Aïe. That's no way to talk about a government agent, comrade. D'accord. Ok. Donc avec le père de Lily, ils se sont battus. Avec le père de Lily, ils se sont battus du coup. Où
socialism ain't gonna build itself. Fuck. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh, yeah? What's my speedo size? Il se fait quelle taille de slip. Très spirituel. Je l'aime beaucoup celle-là. Pas toi, camarade. Let's play a game. It's called What Makes Thomas Tick. So, the Nazis found you in Warsaw when you were what? 3 years old? Oh, they were gonna kill you. But they didn't. No, they saw your potential. Ah ouais. Oui, quand même. But then poof. The war's over. In comes the heroic Red Army. And they locked me up for years. Fucking savages. They do important scientific research. Find out what it is that makes you special. And what is that exactly? Ask your mom. You enjoy it, don't you? Hurting people like those scientists. What were you? 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say. Ouais, il est pas bien lui, hein. J'avais beau m'y connaître en torture. Tu l'avais impressionné, dit le mec. Bouge pas, je t'offre une démonstration en direct. Dès lors, tu étais enfin libre, mais toujours en cavale. Et ouais. Mais donc du coup, pourquoi il a fait... On your best friend Richard. You had it coming. Yes. I know you wanted revenge. I understand. I would do anything for my child too. It takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these... Oh, le psychopathe, les gars! Mais quel psychopathe, celui-là! Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Get some rest, Thomas. The next time you wake up, the real pain begins. Oh le fou! Oh le fou! Ah mais il y a encore! Hein? Je repars alors! Je vous laisse regarder. Time's running out. What did you do? Here. See yourself. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! They're still in there, Thomas. Will you show me now? Quand même. Fucking finally. I thought he'd never give us a chance. Okay. Gotta move fast. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow.
to save them. Un moyen d'arrêter Henry. Il est à la maison. All right. Let's see what makes you tick. No way across. Guess I'll just make my own. Ah d'accord. Ok, fais comme ça là. D'accord, pas de problème. Wow. Il est pas mal son gameplay avec lui, hein, généralement. Allez, on est parti du coup, les gars. Ça risque d'être assez intéressant. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais ça vient de passer. T'es pas serein. On est vraiment pas serein avec ce jeu. Jamais. Jamais, jamais. Jamais super serein avec ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on va par là ou on va aller ici? Oui. On va se mettre, je suppose, contre le bord. Je comprends pourquoi il appelle la maison rouge. Mais il est beau, hein, il est vraiment beau ce jeu, il est très très plaisant. C'est un bon jeu du lundi de l'horreur. C'est comme ça. S'il doit se recharger lui aussi au niveau de ses pouvoirs. Un petit peu là. There you are. At least the part of you I'm after. Ok, donc là il y a des enfants. On a un déjà. Toujours est-il, est-ce qu'on a autre chose ici? Je ne crois pas. On va regarder sur le bureau là. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Nom de code bouché. Suspect Jacob Wolf. Wolf fraude, commerce illégal. Henry Wilk, agent en chef, enquêteur. D'accord. Bizarre. Ici. Ok, bobine. Regardez là, mais je pense qu'on a de quoi. Salle d'interrogatoire, ok. On a un truc là, non pas du tout. Hop, allez, on va regarder ouvrir ça. Et on va regarder ce qu'on a. Ah, c'est fermé. J'ai pas vu de clé. Ben ça. Ah, on peut mettre la bobine dessus, ça. Mettre. Yep. Do you know why you're here? I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Whoa. Punishable by death. Anything to say in your defense? I'm sorry, Henry. Web. Ouais. Ah bah ça a ouvert la porte. Ok, il a pris un gars bouché. Il l'a accusé d'avoir
Voler de la viande forcément au peuple, bien sûr, puisque c'est un pays communiste avec les dérives qu'on lui attribue. Et oui, il est censé courir là. vous avez tout compris. On va essayer de regarder avec son pouvoir de ne pas passer derrière. Allez, on va grimper là. Ça passe. C'est vraiment lent. Le problème, c'est qu'ils sont lents en fait à courir toujours. Tu sais. T'as l'impression qu'il avance pas en fait. Mais c'est pas une impression, c'est juste qu'il avance pas. Shit. On va se faire quicher hein, de toute façon. Ça c'est certain. Allez, il y a des choses à lever là-bas. On va quand même regarder si on a des... Non, ça va. On n'a rien qui traîne là avec nos pouvoirs. Si, regarde ici. Ah oui, des bons couteaux là. Ok, des tickets de rationnement, 500 grammes, 600 grammes. Ok, bon. Bonne époque quoi. La bonne époque les gars. Attention de rien oublier, là il va certainement y avoir un truc à bouger, je suppose. Donc ce soit du feu, ça tout simplement. On voit pas du tout ce qui se passe parce que la caméra elle est tellement mal placée les gars. Mais bon, je suppose que on va voir ça enlever. On entend des sortes de coups de couteau là où je sais pas quel truc là. Non, il n'y a rien là. D'accord, il n'y a rien. Autant pour moi. Voilà. Lève-toi. N'importe quoi. Et coucou, cette fois c'est bien Soso. Il peut pas se baisser celui-là. Non. Ah non. On va se baisser. Salut ma Soso, comment tu vas? Ça va, j'ai peur. J'ai très très peur. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai peur. Et il a l'air d'avoir peur de la lumière en fait, lui. Ouais, la lumière lui fait mal, mais je sais pas du tout quoi faire en fait. Voilà. Ah oui, non, il n'aime pas. Hop, allez. Est-ce qu'on peut passer là en dessous? Oui, j'ai l'impression. Mais c'est... D'accord, on peut. Je sais pas du tout par où on passe. C'est dégueulasse, je sais pas par où on passe, je sais pas ce qu'il y a à faire, je comprends rien ce jeu ce soir. Les gars, je suis dans l'expectative. Alors, fais voir jusqu'où ça vient ça. On ne sait pas. On entend des gens qui aiguisent des couteaux. Je sais pas du tout quoi, pour qu'est-ce. Ah, c'est dégueulasse ça. Allez, on va passer là, mais ouais, du coup je sais pas, mais c'est on est, à mon avis, on n'est pas très très loin de la fin. Il reste encore un petit bout, mais voilà, le mystère se désépaissit. Ma Soso, comment s'est passée ta journée ma belle? Ça va? On s'est vu un petit peu chez Pantou, j'ai pas pu rester après, je suis allé à la douche et il est revenu, il n'y avait plus Pantou. Pantou, il avait disparu. Allez hop,
va passer comme ça. Du coup, par là, non, pas du tout. De l'autre côté, alors. D'accord. Sérieux ? Ok. C'est quand même pas très beau. Hein. Vraiment, 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 c'est pas chewing-gum. Une petite valisette avec des petits jouets dedans. Ok. Un petit carnet juste là. Spider cochon. Il est pendu au plafond. Alors, fais voir. Qu'est-ce qu'on a? D'une main ferme. Sans à-coup. Dans le sens contraire des fibres. Toujours dans le sens contraire. Toujours. Jamais autrement. C'est tellement malaisant ces trucs-là. C'est tellement malaisant. Non. Est-ce qu'on peut pas passer là? Sérieux? On peut pas passer. On est obligé de revenir sur le côté. D'accord, ok. On le note. Pas du tout. Pourquoi tu nous laisses pas partir? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai loupé quelque chose? Peut-être. Peut-être qu'on a loupé quelque chose, mais j'ai pas l'impression. On a vu le carnet là. On a pourtant regardé ça, non? J'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose en fait. Il peut pas. Je sais pas. Il peut pas se baisser. Il se baisse pas comme chouchounette. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Alors là, on va être coincé demi-heure là, tu sais, pour rien. Non, le couteau, ça m'aimait. D'une main ferme. Ok, petit couteau. Il n'y a pas comme... on peut faire pivoter, ok, mais il n'y a pas comme... c'est bon. Wow, petit rechargement les gars, tout va bien. Et du coup, maintenant est-ce qu'on peut partir? C'est par là, non? Des fois il t'aide pas le jeu, hein. Clairement, des fois il t'aide pas. C'est comme ça. Par là, non? Where are you, boy? Moi, je pense qu'il faut courir. Je vais tabler là-dessus, les gars. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut courir. Allez, hop, on va descendre comme ça. Voilà. Et là. On est revenu. Je pense qu'on doit faire un truc comme ça. Voilà. Ben alors. Je comprends pas l'analogie en fait entre entre le fait qu'on veuille sauver des enfants et qu'on soit dans un abattoir à cochons. Ce qui devrait pas faire plaisir à Mr. Pal. De son prénom. Man. Voilà. Voilà Man. Mais du coup, ouais non, j'arrive pas à piger le. Oh, c'est fermé. It's locked. C'est par là du coup. Voilà, c'est bien. Tu vois comme c'est facile quand tu obéis. Bah ouais, je veux bien. Moi, je veux tout ce que tu veux. Mais je comprends toujours pas l'analogie, en fait. Patrimoine Stronger and Blood. Two words. Allez, on va lire.
Alors, il est rare de voir patriotisme plus louable que celui dont fait preuve ces dernières semaines l'agent en chef Henry Wilkes, simple officier de la police civile, pardon, celui qui a prouvé sa volonté de contribuer à l'avenir radieux de la République populaire en s'affranchissant de sa famille criminelle. Son enquête audacieuse sur le désormais célèbre scandale de la viande a conduit à diverses arrestations, dont celui d'un certain Jacob Wisk, son propre père. D'accord. Citons parmi ces fraudes découvertes par l'agent Wisk les traits de corruption ainsi qu'un vol de viande noble remplacé par des pièces de bas de gamme. Hormis Jacob Wisk, de nombreux autres coupables ont été appréhendés, dont 4 directeurs de marché de viande d'État et plusieurs gérants de magasins. Si les accusés sont reconnus coupables au terme de ce procès qui s'ouvre ce jeudi, il sera sans doute condamné à mort par pendaison. Pour tout commentaire, l'argent fait la simple. Je n'ai fait que ce qui me paraissait juste. Voilà qui est parlé en patriote, bien sûr. Ok, bon, pas terrible. Il a donné son père, le mec, tout va bien. Et ça, c'est son identité, je suppose. On va faire pivoter un petit peu avec sa carte là, de police du parti, je suppose. The Security Service. Donc, désolé, ça gratouille. Un numéro d'identité, ok, Henry Wilk. Et donc. Normalement, il n'y a plus rien ici. Je ne pense pas. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté? Il me semblait qu'il y avait une porte là. Non, j'arrivais. Ok, il y avait une porte, mais on ne peut pas passer. Allez, on fait le tour. On va essayer de repasser par là. Et du coup, je sais pas, peut-être... tu veux sortir? Ouais, c'était pas le bon endroit. On va passer. Est-ce qu'on a besoin de repasser par ici? Pas spécialement. Ça, on l'a déjà fait. Donc, normalement... Je crois qu'on peut éteindre, là. Non, on peut pas éteindre. Non, c'est toujours bloqué? Ah bon? Ah bon? Donc il nous manque une autre truc. Il y a toujours le petit garçon là-dedans. Je me sens désolé pour toi, Henry. Let's see how that works out. Et du coup, y a-t-il un autre... Tiens, il est 2h25 du matin. Il va falloir se dépêcher, les gars. J'ai rien vu là. Là, non. Ah, on arrive quand même à tourner la tête aussi loin là. Et j'ai pas de. On n'en a pas d'autres. On en a vu une, mais on n'en a pas d'autres. Est-ce qu'on a débloqué ce qu'il fallait ou pas du tout? Non, non, toujours pas. Alors, où est-ce qu'on a quelque chose d'autre? J'ai pas vu de... Non, non. Bizarre. Des fois, tu restes bloqué, tu sais pas pourquoi, en fait, dans ce jeu. Il a fait la table. Les pièces, elles sont quand même pas trop pas si grandes que ça, donc... des fois, tu passes à côté, tu sais pas pourquoi. Non, c'est fait. Est-ce qu'il y avait quelque chose à voir d'autre là-dessus? Non. On a vu. Non. Est-ce qu'on peut repartir en arrière? On va voir ça. Ça va nous dire si on a loupé quelque chose dans la pièce ou pas. Pas partir en arrière, je crois pas. Non, il y a bien quelque chose dans la pièce, mais on n'arrive pas à voir où c'est. Pas du tout. Ça, on a déjà déclenché.
Ah punaise, t'as mémé. T'as mémé, ça fait 2 heures qu'on tourne, tu sais. Allez, c'est pas grave. Voilà. Ici. Et du coup, non, on peut rester là. Et par contre, on la met ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vilk, is it? Henry Vilk? What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? Alors, qu'est-ce que vous voulez? I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. Ça fait longtemps que je fais ça. To know people. J'ai fini par connaître les gens. See what makes them comprendre leur motivation. See their repérer leur potentiel. Agreed. On one condition. J'accepte à une condition. Huh? The work I do for you. Mon travail pour vous, pas à moi, ma femme. That's the way we like it. Ça nous convient très bien. It has to. Sinon, if it doesn't, I'm holding you accountable. Je vous tiens responsable. Welcome to the family. Bienvenue dans la famille. D'accord. Ok, nous avons réouvert la porte, pardon. Et c'est pas moins glauque, hein. C'est pas moins glauque que tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on va aller là? Pas certain qu'on arrive à sauver les enfants quand même. Vraiment pas certain. Quand même, l'ambiance est quand même bizarre. Là, je vous avoue que autant les autres tableaux, ça allait, mais là, c'est vraiment oppressant, je trouve. Et ça n'avance pas au niveau de l'histoire, donc je trouve que c'est déplacement tellement lent, mais tellement lent. Voilà, bien sûr. L'ambiance, elle est folle, hein. L'ambiance est folle, hein. Vraiment. Hein. Grimpouille, mon chou. Grimpe-moi ça, grimpe-moi là-dessus, pépère. Alors, est-ce qu'on peut déplacer ça? Je pense que oui. Exactement. Là, ça va être. On va la déplacer, je sais pas, voilà. Voilà, dans ce sens-là. Moi, je voulais la déplacer dans l'autre sens, mais ils ont pas voulu. Jusque-là, c'est guidé, les gars. Tu fais pas ce que tu veux. Par contre, tu vois, c'est tellement bien. Avec tous ces papiers, t'as l'impression d'être dans une bibliothèque ou tu sais, dans. Pardon, attends pour moi. Hop, par là. Allez, là on va se faire croquer, moi je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Sujet test, c'est section 43. D'accord. Alors, la séance du jour a été interrompue avant terme pour cause d'un incident dans la salle de test lors de l'administration des substances prescrites par le docteur censuré, scientifique en chef, a été en contact cutané direct avec le sujet, aussitôt été hospitalisé. Malgré l'absence de traumatisme physique, il est entré dans un état végétatif et il n'est pas encore ressorti. Les sessions ont été suspendues indéfiniment. D'accord. Mais forcément, beaucoup de paperasse, puisque c'est un agent de renseignement ou
ou de choses comme ça. Donc ça fait un peu sens avec Henry, mais Oula. Alors, où est-ce que c'est? Je vois rien. Bizarre. Alors là, mon chouchou, regardez autour, c'est fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va enclencher la petite... Non. Ouais, plein de sous et tout. Il est partout. Allez, de l'autre côté. On n'est pas tombé déjà. C'est déjà ça. Est-ce qu'on a quelque chose à y voir là? Je pense pas. J'ai pas l'impression en tout cas. Ok. Ah. Non, non, sérieux. Shit, not good, not good. Allez, allez, allez. Ah. Ouais, d'accord. Ok, si tu veux. Ok, si tu veux. Bon, why not? Allez, c'est parti. On y retourne. Pas très spectaculaire, mais j'ai quand même eu peur de m'être foiré, en fait, les gars. J'ai eu vraiment peur de m'être foiré, en fait. De pas avoir fait comme il faut. Suffisamment tôt, tu sais, j'ai attendu un petit peu, mais... T'as toujours l'impression d'être bourré dans des phases comme ça, tu sais. En plus, il veut pas... Il est déjà penché de base, tu sais, le mec. Oh là 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 là, mais c'est tellement terrible tout ça, c'est pas passé loin, tu m'étonnes. Non, 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 hé, tu te calmes, oui, mais il est con ce truc, il a failli tomber comme une bouse. Allez hop, bah par là alors, est-ce que tu peux? Allez, viens, viens poupoule, viens poupoule. Mais bon. Cette phase est un poil longue avec pas grand chose finalement et j'ai pas l'intérêt du truc là pour le coup. La première phase qu'on avait fait avec lui était plutôt intéressante, était plutôt sympa. Ça nous permet quand même de rentrer dans la psychologie du personnage, hein, bien sûr. Mais on va finir par se foirer, hein, vous inquiétez pas les gars. Can't get me up here, can you? Ouais, c'est pas sûr ça. Puisse pas t'avoir. There. Got you right where I wanted. Time to put you out of your misery. Allez, allez, allez sur la binette. Et bim. Stay the fuck down. Oh, c'est pas sûr qu'on le revoie pas du coup. Pas sûr et certain. Mais c'est l'autre bestiole, là. C'est l'autre bébête. Alors attends, fais voir. Hop, 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 tu vas aller trop vite. Du coup, salut. Maman, papa et moi. D'accord. Génial. Allez, fais voir. Normalement, il doit y avoir marqué. Ouais, voilà. Juste ça. Papa, maman et moi. Et du coup. Est-ce qu'on a autre chose? On va prendre la porte? Non, j'ai pas l'impression. Allez, hop. Coucou, c'est moi. I'm going away tonight. Business trip. Short notice. Couldn't be helped.
you say goodbye to him? I'm not sure if that's a good idea. I have work on my mind. Je sais pas si c'est une bonne idée, je pense au travail. Again, tu vois. En même temps, si peut-être. Tu en penses quoi? Comme tu veux, chérie. Ces phases-là sont intéressantes, je trouve. Ok, Simon, petit couteau. Where are you, boy? Simon, où es-tu, petit? Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a autre chose, d'ailleurs, du reste? Pas spécialement, attends. On va regarder un petit peu là, s'il y a autre chose. Avec la supervision. Okay. Dad? Papa? Là, ça fait tellement... C'est tellement malaisant. Daddy has to go to work. Il doit aller travailler. Once I get back, quand je rentrerai, on ira pêcher samedi. You'd like that, wouldn't you? I don't like it when you go. J'aime pas quand tu pars. Je sais, mais parfois, pas doit travailler. C'est pour notre bien tous, tu comprends? Oui, oui, père. Mystère s'épaissit ou se désépaissit au fur et à mesure. Vous croyez qu'on va arriver à sauver les enfants? Pas certain finalement, parce que. T'en fais pas, gamin, je serai bientôt là. Pas certain qu'on arrive à les sauver, les enfants. Allez hop! Il fait un footing comme ma grand-mère, celui-là. Je vous jure, c'est terrible. Bienvenue à tous, en tout cas. Merci d'être là. Allez hop. Oula, ça a lagué un peu. Tu crois qu'on va arriver à le renvoyer chez lui? Ce serait bien. J'avais réussi juste à temps. Oui, viens me voir. Je vais mettre un terme à tout ça, te libérer. Non, il ne va pas nous laisser. Le monstre, c'est... Ne t'en fais pas, le monstre, kid. Je vais le gérer avec lui. Je vais le mettre down pour good. Pas si il te met down first. Il te tue le premier. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a que... Ah, c'est terrible. Your tricks won't work on me, old man. Et coucou mon tonton, comment tu vas? T'es en forme? Bienvenue mon chou. Ah putain. Il est terrible ce jeu. Ils font cramer des enfants et tout, c'est déconné. On est quasi sur la fin par contre. Ça peut aller? Comment ça va mon tonton? Comment ça? C'est... Non. Lily et Marianne? Je crois que j'ai compris, mais j'en suis pas sûr en fait. T'avais mal aux gencives? Ah zut! Mais du coup, t'as été voir le dentiste? Est-ce que tu crois que Marianne, c'est la sœur de Lily? Peut-être. C'est lui, ça a toujours été lui. Ah, il est là, il est là, il est là.
Oh, punaise. Tried to kill us. What did you do to her? What did you do to Lillian? I was already dead. Your father made sure of that. Donc son père, c'était le médium, en fait. Ah, c'est un problème récurrent, d'accord. Et du coup, tu agis avec quoi quand c'est comme ça, mon chouchou? Ah, ça t'empêche de stream? Sérieux? Merde. Then, who was it? Who killed her? I saw her ghost. What happened to her? Was it the nurse? The painter? The monster from under the bed? Maybe. Maybe. It was her own papa. What the hell are you talking about? He wanted to save us. Ouais, carrément, tonton. Donc ça ne fait plus rien. Ah ouais, c'est clair. Ouais. C'est l'essence même de ce lieu, rempli deuil et souffrance. Ah, je connais ça, je connais tellement bien. Punaise, j'étais persuadé qu'il allait nous bouffer. Ah bah, il va nous bouffer en fait. Thomas Rekovich. My father. Was he the man on the pier? C'est l'homme sur le quai, l'homme au pistolet, le meurtrier de mes rêves. The murderer from my dream? How could he? Why? Comment a-t-il pu? Pourquoi? I needed to know what happened. Il fallait que je découvre ce qui s'était passé après la sortie. What happened to them? Qu'il était advenu. Il est bien, tonton. C'est une enquête. Totalement une enquête. C'est un peu spécial, mais il est bien. C'est un, à mon avis, un petit public, mais de grande qualité, en fait. Et c'est dommage. C'est dommage qu'il ait pas eu plus de. Donc il doit y avoir elle et Lily à côté. Lily, ça doit être sa sœur, ou je rêve. Liliane. Marianne et Liliane, donc. Peut-être. Pas sûr encore. Mais c'est possible. Ok, je pense qu'on n'est pas très très loin de la fin en vrai. Je sais pas si on va la faire maintenant,
Mais ouais, non, il est bien cool, hein. Vraiment, il est c'est un jeu sympa. Le gameplay est super sympa en fait. Focus. This was your home once. There's gotta be something here. Et tu vois le... Oh, non, on a des trucs de partout en fait. Donc tu récupères des indices, tu vois des choses. Alors dévoiler le secret du domicile de Thomas, ok. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'il y a à lire? Pas du tout. Ok pour toi. Levez là. Il y a un autre truc ici. On va faire le tour. Hein. Photo. Somehow it feels wrong to just leave them lying around. Y a rien à faire. Maison de poupée ici. Is that a dollhouse? How the hell did it survive? Une maison de poupée, comment a-t-elle échappé au feu, dit-elle. Locked. Fermée à clé. Il y a peut-être un moyen de l'ouvrir. D'accord, donc il faut arriver à trouver la clé de la maison de poupée, c'est ça? Peut-être, on a une autre photo ici. Oula, il y a plein de choses en fait. Fais voir. Du coup, oui. Bon, on a bien compris. Hop, voilà une. Celle-là, on va la regarder quand même. Hein. Celle-là, on va la regarder. Hop, donc on va la remettre ici, bien sûr. Donc ça doit être celle-ci. Et puis l'autre, on va la mettre là. Non, hop, voilà. Un ordre différent peut-être. Mais écoute, on va récupérer celle-ci. Bim. On va faire ça. Bam. Et donc du coup, écoute, on peut rester là. Je pense que c'est bon. On va remettre la cam, hein, parce que sinon vous allez pleurer. Oui, Loïc, on ne te voit pas. Et salut mon Toka, comment tu vas? Bim, ça fait plaisir de te voir mon chouchou. Bim. Donc on va mettre la rectangulaire ici. Voilà. C'est bon ou pas? Bon. Bon pas bon. Ils te disent rien. Je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Bizarre. Elle nous a rien dit. Elle nous a rien dit, c'est que peut-être c'est ça, mais ça m'étonnerait en fait. Ça m'étonnerait bien que ce soit le bon ordre. Une petite partie a échappé au feu. On l'a pas mis. En fait, c'est... Pardon. Attends pour moi, ça doit pas être dans le bon sens, en vrai. Mais bah écoute, ça va bien, mon Toka, ça va bien, ça fait plaisir de te voir en tout cas. Du coup, on va tout remettre. Parce que ça ne nous a pas fait sortir une clé, on est d'accord. Hein. J'ai naïvement laissé celle-ci ici, mais peut-être c'est pas ça. Mais on va réessayer, parce que si elle nous dit rien, c'est que qu'elle n'est pas contente. Non, c'est rien. Il n'y a rien. Que alors d'abord on va faire ça, on va toutes les lever et puis peut-être qu'on va mettre, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais celle-ci, on n'a pas d'indice, hein, sur le truc quant à la position et là non, j'ai pas l'impression. On va peut-être mettre celle-ci là, allez, on va essayer celle-ci là, celle-ci ici et l'autre de l'autre côté. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, hop, on va essayer de prendre celle-ci. On n'a qu'à la mettre au milieu, en cas. Je sais pas du tout dans quel sens ça va, hein, les gars, clairement, là. Ça devrait enclencher quelque chose, désenclencher ou enclencher quelque chose, mais je sais pas du tout. Je sais pas. Là, j'ai pas... Est-ce que ça a ouvert ça? Non, ça n'a pas ouvert. Euh...
J'avais pas vu que c'était un miroir, ça, les gars. J'avais pas vu du tout que c'était un miroir. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, c'est un peu crade, hein, mais c'est pas grave, ça va bien se passer, les gars. Allez, hop. Ok, allez, fais voir. Hop, petit papillon, toi qui n'as pas d'aile. Tu peux pas voler. Est-ce qu'on a quelque chose ici? C'est étrange comme... c'est comme les sentiments. J'ai rien compris. Est-ce qu'on peut aller ailleurs ou pas? Pas du tout. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus? Je vais pas t'aider. Je vais pas t'aider, mais je comprends. Voilà, poum. Est-ce qu'on peut venir par là, un peu plus par ici, on peut ou pas? Pas du tout. Du coup. Alors attends. Parce que ça c'est un indice en fait. Et du coup l'indice il dit au milieu il y a l'impression, t'as l'impression qu'ils sont que deux. Là t'as l'impression qu'ils sont. T'as l'impression d'un bébé là. Là c'est un ruban contre le cancer bien sûr. Et là ils sont on dirait soit l'infini soit l'unité en fait. Je ne sais pas très bien. Alors fais voir, on va essayer de l'autre côté. On va repasser par le miroir. C'est ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est assez. Donc normalement on est de l'autre côté du miroir, bien sûr. Alors la maison de poupée est ouverte. Ok. C'est une réplique de la vraie maison. D'accord, mais est-ce que... Je vais voir deux secondes. Le bébé. Ok. Le ruban, est-ce que ça peut... Et salut Ninja. Comment ça va? Est-ce que tu crois que... Coucou. Dites à une... Ouais, mais oui, pardon. Oui. Et tiens, je te mets le lien de la chaîne YouTube. Mais du coup, oui, bien sûr. J'aimerais le voir dans l'ordre. Mais écoute, tu l'as dedans. Il n'y a pas de souci. Toutes les autres rediffusions aussi. Du coup, comme c'est lundi et qu'on tourne ça le lundi, bah, tu l'avais ce lundi matin, en fait. Et les vidéos sortent à 7h du mat. Donc comme ça, au moins, tu les as. Mais je pense qu'on les a bien placés. Bon. Là, au centre, c'était avec le bébé, non? Ou j'ai rêvé? Fais voir. Au centre, c'était avec le bébé, il me semble. Attends, on va regarder. Oula, j'avais pas vu ça. Qu'est-ce qu'on a là? Une lettre. Ok. Démon, fais voir un peu. Alors, je ne supporte pas les regards qu'elle lui lance. Elle la déteste à cause de ce qui lui est arrivé. Elle croit que c'est de sa faute. C'est comme si elle avait fait exprès. Elle est encore trop jeune. Elle a besoin de temps pour comprendre. Mais il m'arrive d'avoir peur. Peur qu'elle lui fasse quelque chose. Je me répète qu'elle n'en serait pas capable. Mais d'un autre côté, je sais mieux que quiconque. On a tous nos démons intérieurs. Donc là, c'est fait. On a vu. Il y avait autre chose où j'ai rêvé là. Non. Là. C'est rigolo, il y a une sorte de point mais là-bas, mais j'arrive pas à voir. On va repasser de l'autre côté du miroir comme Alice. Et on va voir un peu. Mais il est bien, hein, c'est un très très bon. Alors ouais, c'est là. Là on a ouvert la maison de poupée. J'ai compris. Par contre, tu vois, alors la photo avec le bébé, ça je sais pas, ça s'est uni, donc est-ce que c'est le mariage, la photo du mariage? Objet, fais voir.
Ah non, mince, on a que ça avec elle, ouais. Effectivement, on a que ça avec elle. Il faut que ça nous mette le feu là-dedans pour pouvoir prendre pour pouvoir passer là, à mon avis, mais du coup, c'est pas le bon. Donc, mariage au milieu, c'est sûr. Enfin, elle est enceinte au milieu, c'est sûr. Ça, est-ce que ça c'est uni? Donc, c'est la photo et on était au bon endroit, on était comme il faut. Je ne crois pas. On va essayer d'inverser les deux, en fait. Les deux photos, je pense que. On va voir un peu. Peut-être c'est bon. Et puis, on va regarder aussi la maison de poupée, bien sûr. Alors, fais voir. Est-ce qu'on peut... Voilà. Est-ce qu'on ferait ça, alors? Le mariage, ici. Peut-être. Et là... Ah, ben, zut. Et là... La photo avec les filles. Oui. Ah, c'est ça. The Rekovich family history. Une bonne soirée. Non, non, il n'y a pas de... Je vais sur YouTube, du coup, c'est pas un problème. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas. Et des bisous à toi. Merci bien. Donc, du coup, maintenant, on est bon. On va regarder la maison de poupée, par contre, les gars. Et puis après, on est bon. Alors, fais voir. Ici. Quoi ? Ah non, je peux pas avoir un coupe-boulon, là. Ça, c'est certain. Alors, il y a plein de trucs à trouver, du coup. D'accord. Une porte, deux portes, trois portes, c'est quoi ça? Un tout petit miroir. Est-ce que... Attends, viens là. Miroir, il a pas disparu là? Non, il a pas disparu. Il marche plus. Ça marche plus. Comment ça, ça marche plus? Eh ouais, il est ailleurs. Donc il va falloir le mettre à l'étage après, mais attends. Alors du coup, on va le remettre où est-ce qu'il était. Fais voir, puisque là, je pense qu'on est au rez-de-chaussée, donc on va prendre le miroir, on va le mettre là. Et que je te dise pas de bêtises, si jamais on revient en arrière, oui. Ah, c'est trop drôle. Mais il est tellement bien ce jeu, des fois. Pff. Alors fais voir, parce que là, on a débloqué quelque chose, il me semble. Non. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose là? Oui, normalement on a quelque chose. Exactement. Et du coup, on a chopé le visage de qui? Ça doit être de sa sœur. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Attends. Masque de joie. D'accord. Okay. C'est quand même zarbi des fois, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est quand même bizarre le lézard des fois. Hop. Et bien. Donc. Mais comment on va faire pour grimper à l'étage? Ça c'est autre chose. On va venir là et on va mettre, je sais pas moi, le truc là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut le mettre là? Oui, moi je veux bien. Chose a certainement bougé, mais où? Est-ce qu'on peut grimper par là? Y a, c'est rigolo, hein? Il y a une sorte de... Sérieux? Ça nous a fait grimper à l'étage! Ça nous a fait grimper. D'accord. Ça nous a fait grimper à l'étage en vrai. C'est génial. Je te jure, il est tellement bien des fois. Ce jeu... Enfin, il est bien tout le temps. Mais il y a des parties qui sont un peu longues. Mais franchement, punaise, qu'est-ce qu'il est. Le gameplay, il est incroyable. Est-ce qu'on a quelque chose de spécial? Par là. Pas l'impression. Hop. Ah si, regarde. I hate you. All of you. None of you know. None of you understand. I do.
Masque de calme. Mais... Bon, j'aurais pas ma question, il faut qu'on finisse le jeu, j'aurais pas ma question, parce que... Il y a clairement... quand même, c'est... C'est pas croyable, ce jeu. Et on va passer derrière. J'ai tellement hâte de savoir la fin. Mais... Battre le monstre, ça va être compliqué, je pense. What is this? A tea party with the devil? Lunette infernale, mais non. Du coup, il va falloir mettre les masques sur les visages, mais quel est quel visage et quel masque? Il nous en manque un de toute façon de masque, donc on va aller regarder de l'autre côté. Remarque, est-ce qu'on peut pas, déjà poser les deux là? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, non, c'est juste ça. Est-ce que... Au hasard. Non. Ouais. I understand. I can feel your pain. What the hell? Alors, est-ce que c'est... Hop. Pour moi, est-ce que c'est celui-ci qui vient là? Yes, papa. Ils nous ont manqué, en fait. Ils nous ont manqué. Là, on va pas... Donc là, on va sortir de là. On en a déjà mis deux. Il va nous en manquer un. Je pense qu'il sera dans l'autre pièce. Hein. Donc il y avait un ordre aussi pour la maison de poupée pour déplacer les miroirs, en fait. Ok. On va prendre ça. Merci. On va venir là. Bim. Et là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui. Il est foufou, hein? Il est vraiment foufou. Ça devait être sa chambre à elle. Et Lily, ça devait être sa sœur, en fait, je pense. Possible. Mais pourquoi ils ont été tués et qui les a tués, ça, c'est tout autre chose. Alors j'en ai qu'un de papillon. Pour l'instant, en tout cas, j'en ai trouvé qu'un. Et ça va te permettre d'avoir le dernier masque, je suppose. Petite énigme tranquille. Allez hop. On n'a pas vu les autres par contre. Hein. On va le prendre. Un autre papillon. Et on va sortir ici. Parce que là, j'ai compris. On a ça. Ça a l'air quand rien, j'ai le doute que je puisse le découper. Ouais, mais par contre, je pense qu'on peut faire ça en fait. Je n'ai pas besoin d'elle. Elle a pris ma mère de moi. Je hais elle. Je voudrais qu'elle était morte. Ouais, en fait, il faut aller récupérer celui qui est en bas sur la planche. Non, ce n'était pas ma faute. Qu'est-ce qui se passe à moi? Et un autre. Ok, deuxième. Et il me semble qu'il y en avait un sur les planches là-bas, mais pas dire de bêtises. On va quand même regarder, faire un check. Check, like to move it. Ouais, c'est pour détendre l'atmosphère, hein, les gars, ne vous y trompez pas. Bim. Voilà, il nous en manque un, mais on l'avait vu sur la planche en bas, donc on va aller regarder. Je pensais pas qu'on pouvait le prendre. Enfin, je crois pas en tout cas. Hein. J'avais pas vu ça. Donc où est-ce qu'on l'avait vu là, la planche, c'est ça? Mais non. Pourquoi? Ah. Ah. T'as mémé. Ça l'oublie. Il y a un truc là, je sens qu'il veut nous dire quelque chose, mais il y a un point quelque part par là, je sais pas comment faire. Est-ce que si on se baisse ou
Il nous manque quelque chose. Donc là, on peut plus agir avec ça, on peut plus rien faire. Un papillon, on en a pris un. J'arrive pas à trouver le. Il nous en manque un, je sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'on a loupé quelque chose? Peut-être. On va regarder dans le. On va regarder en bas. Ok. Pardon. Attends pour moi. Bim. On va essayer de voir si on l'a pas mis en bas, mais. Il me semble qu'on en avait trouvé un déjà, mais du coup, je sais pas. Pareil. Tu vois, il y a un truc, il y a bien un point là, mais tu arrives pas à. Tu n'arrives pas à y aller. Alors, est-ce que c'est pour plus tard? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on a oublié quelque chose là? On va essayer, mais. Donc j'ai l'impression que c'est bon. C'est vraiment par ici, mais où? Donc là, on en avait trouvé un. On en avait trouvé un ici. Là, on a trouvé un masque. Donc ça m'étonnerait qu'on trouve autre chose, en fait. Pas passer par là, là. Me montre ça là, mais maintenant qu'on l'a débloqué, j'arrive pas à faire autre chose, donc on peut pas agir avec ça. Et c'est vraiment dans les pièces qu'on a visitées déjà. Donc fais voir, on va la prendre et puis on va essayer de regarder dans l'autre chambre là-haut. Peut-être qu'on a loupé quelque chose dans la chambre précédente. Ah, punaise, nouille. On l'avait pas vu. On avait loupé quelque chose ici. Effectivement, il doit y avoir le dernier du coup. Le dernier papillon. Exactement. Et ben voilà les gars. Je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est bien. On va récupérer le dernier crâne et on ne devrait pas être loin de la vérité. Donc là on vient ici. On fait ça. On prend ça. On place après de l'autre côté. Alors voilà, merci. Dieu te le rendra un jour. Bim. Et maintenant, normalement, on est bien. Donc ça, je pense que c'était vraiment sa chambre. La folie de ce gameplay. Les énigmes sont pas très difficiles, mais des fois, tu passes à côté des choses parce que tu fouines pas bien les salles, en fait. Et c'est toujours ça le problème. Save yourself. Let me help you. What about her? Leave her. Let her burn. Laisse-la qu'elle brûle. Oh God. It's spring. This place is like an emotional graveyard. Le domicile de Thomas. Bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà, et là ça sent la mouise à Denise les gars. Je pense que c'est pas loin d'être la fin là. Les masques c'était où? C'était dans la... En haut, non? Ouais. Il me semble que oui. Je me souviens plus où est-ce qu'on a on mettait les masques les gars. Je crois que c'était dans la chambre verte, mais j'en suis pas sûr.
On va essayer là, mais... Mais je me souviens plus. Allez hop, on se dépêche. Pas le temps de niaiser, les gars. Pas le temps de niaiser, là, tu sais. Faut se mettre, là. Et mais c'est même... Si, si, c'est ici. Qu'est-ce qu'on a fait? No, she's my sister. Then set me free. And I will save you both. What? Ah, shit. Le pacte, d'accord. Découvrez le mystère. Moi je veux bien, mais... Allez, cours. Oh la nouille. Ma faute, pas très grande faute, les gars. Alors, les papillons de l'autre monde sont dangereux. Utiliser RV comme bouclier spirituel pour les traverser. Allez, hop. Désolé, la fatigue un petit peu. Mais j'ai appuyé sur le mauvais bouton. T'y es pas ? Ouais. Ça nous fait repartir tout là. Allez, roule, t'habille un petit peu là. Mais on n'a pas de quoi se protéger avec nos boucliers puisqu'on n'a pas de truc spirituel. Donc ça va être problématique en vrai avec les papillons. Il va falloir se barrer vite fait en vrai. On y arrive. Mais oui, on a rien pour les pour lever les papillons. Waouh, la texture, c'est parti un peu en bibrine là. Hop, ouais, là ça a begouillé un peu en fait les gars. On l'a vu de suite, on l'a vu apparaître sur le truc. Vite. Voilà. Allez, ok. On va descendre. That thing. It came from her. Bought its way out with our lives. C'est ça le point qu'on voyait tout à l'heure. C'était pour Lily, descendre là. I need to find her. Allez, allons trouver Lily. Mais je sais pas, peut-être c'est encore long. Alors, fais voir. Ici la vision. À la cave, c'est exactement ça. Parle-moi de l'incendie, Lily. Vous étiez enfermé, seul? Non, pas seul. Non. Qui d'autre était là? La voix. The voice. This is a voice. Désolé. Vous êtes venu quand même. Oh, Lily. Non, attends, là il y a un truc, mais. En fait, il y a des trucs de partout, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, on va commencer par ça. Et coucou, Miles, comment tu vas? T'es en forme? She needs to stay at the hospital a while longer. Ça va bien, Miles. Will she be all right? I want to see her. She's asleep, honey. The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Et donc Lily, c'est sa sœur. Je t'aime bien, Lily. Je t'aime bien, Oli. Je t'aime bien, Oli aussi. Lily.
C'est bien ça. C'est bien ça, les amis. On a trouvé. Lily, listen. You have to come with me now. Daddy, where are you taking me? Aniva. I'm sorry, baby. I'm so sorry. Thomas. What the hell did you do to her? Donc Thomas c'est son père, Lily c'est sa sœur. Et du coup bah voilà, le mystère s'est désépaissi. Maladie différente. Alors elle est malade mais pas physiquement. Il avait raison, cette nuit-là, cette horrible nuit, quelque chose s'est réveillé, quelque chose est né en elle. Il la dévore de l'intérieur, il aspire sa force, son petit corps dépérit. Je dois faire quelque chose, nous devons faire quelque chose. Pas sympa. Hein. Bon allez, j'y vais. Je vais à plus dans le bus, des bisous. Bonne nuit mon Toka, merci d'être passé en tout cas, des bisous à toi. Qu'est-ce qu'on fait? On peut aller par là. Et puis après on ira de l'autre côté. J'ai vu que de l'autre côté il y avait notre dévoile secret de Thomas. Ok. La vache, ça plaisante pas. Militaire sûrement. Acier trempé. Serrure à combinaison. Ok. Donc il faut trouver la combinaison de la serrure et puis après on s'en ira. Toi et moi, je sais pas. Et les routes qui sont belles, peu importe où elles nous mènent, aux belles. Ok, allez, on est reparti. Inlisible, mais je déchiffre quand même. J'en déchiffre quand même un bout. Ok, question de temps, horloger Croatie, commande référence 342, montant 600. Et le 14-4-76. Ah, tiens. Presque né. Allez, on va voir ça. Yep. T'aimes bien Lily, je t'aime bien Oli aussi. A lot of love was put into this. But there's sadness too. L'amour et la tristesse. Alors. Bon anniversaire de mariage, 10 ans, ça passe vite, pas vrai? Voici un petit quelque chose pour t'aider à survivre. Je t'aime, espèce de gros patapouf. Ah ben c'est tout à fait moi ça les gars. Je vais voir un peu. Il y a une sorte de sigle derrière, ok. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre par là? C'est bizarre, on n'a pas de... N'a pas, t'es sûr que n'a pas? Pourquoi n'a pas? On peut pas retourner ça, sérieux? Y a pas autre chose là? J'ai pas l'impression qu'il y a ça en fait. Mais il va nous manquer le QR code là hein, pour sortir, je crois. Rien dire, mais on va vous embêter les gars, mais il nous manque un code. Alors ça c'est fait. Petit ourson c'est fait. Il y avait autre chose là. J'ai pas l'impression. Comment tu vas, petite Helsing? Non. Comment tu vas? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Pas trop fatigué, j'espère. Quand est-ce que tu nous refais un petit live de toute beauté? Ah, on n'avait pas vu ça. Si, la chaussure. Je l'avais pas vu. Pièce manquante. Alors, il est là quelque part, j'en suis certain. C'est bien pour ça que je suis là à écrire ceci et non à baver dans un coin. Il faut que je le retrouve. Marrant, j'ai toujours voulu être barré. Seul. Le seul maintenant, je commence à croire que nous n'avons jamais été deux. Peut-être que nous sommes simplement les deux faces d'une même pièce. En tout cas, j'ai besoin de lui, besoin de moi pour vous, pour la sauver. Ouais. On a une pièce ici. On peut aller là.
Ah, on n'avait pas vu ça. Hop. Retruc. Allez, on va lire. Alors aujourd'hui, c'est mon anniversaire, le 27-02. Ça me rappelle toujours la première fois que je t'ai vu. Cette merveilleuse, minuscule créature. À l'époque, j'étais prêt à tout pour être un papa normal, pour faire taire cette autre facette de moi. Et voilà que j'essaie désespérément de le réveiller pour l'aider, pour la sauver. Ok. Je pense avoir enfin trouvé un moyen, mais c'est risqué. C'est notre seule chance. Non, ça va marcher. Il le faut. Et il n'y a rien d'autre. Ça va pas nous aider, ça. Moi, je vous le dis, les gars. Oh, un QR code pour sortir. C'est étrange, mais quelle étrangeté. C'est d'une bizarrerie toute bizarre. J'ai autre chose par là. Putain, on n'a pas un code. Pardon, punaise. Scheiße. Ah, ya, ya, ya. It is not a footer bar, moi, je vous le dis, les gars. Et ouais, on mélange tout ici. On mélange tout ici. Bon, la chaussure, c'est fait. La chaussette, c'est dans la paupiette. On peut passer par là. Alors, rien, je pense. On n'a rien d'ici. Il va pas vouloir qu'on ressorte. De toute façon, c'est ici que ça se pose. Là, j'ai rien. Hein. On n'a rien d'autre. Est-ce que la pièce s'agrandit par là-bas? Non. Ah, attends. C'est moi où il y a un miroir, là? Miroir. Dis-moi, où suis-je la plus belle? Pour aller danser, oui, au bal masqué, ça marche pas. Hein. C'est toujours la même truc. Est-ce que... Je sais pas trop. Vraiment, je sais pas trop, les gars. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Il n'y a rien d'autre. Alors là, moi, je vais vous dire, j'en sais... Monsieur, madame, c'est rien, j'en sais rien. Pièce manquante. Rêve, la pièce manquante, il sort en France. Liste des tâches, non. Journal d'un mentor, photo d'un gardien. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Où est-ce que c'était, pièce manquante? Alors, c'est pas ça. Non. Il n'y en a pas un où on sait, liste des tâches, un peu plus, des tâches, pardon. Je sais pas sûr. Je sais pas. Vraiment, là. Sa date de naissance, c'est quoi? Essaye 000, c'est ça. Je me souviens plus que c'est sa date de naissance, en fait. On a vu une lettre, mais avec une date de naissance, mais je me souviens plus. C'est pas ça. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée cette lettre avec la date de naissance là. 27-02. Essaye un peu. On va essayer un peu. Je sais pas, au hasard, hein. Mais Balthazar. C'est pas ça. Il faut qu'on trouve. Pas du tout. On va regarder dans l'autre pièce, là-bas au fond, du coup. Sérieux. Rien, hein. J'ai rien. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Question de temps, horloger, Croatie, référence 32, 14-04-1961. En fait, c'est la montre qui est là. Mais dans la montre, on n'a rien, sérieux.
Bon anniversaire, 10 ans, je t'aime. Et c'est la montre qui lui a été offerte, mais on n'a pas trouvé la montre. Est-ce qu'il y aurait quelque chose avec une montre quelque part? Est-ce qu'on peut aller par là, là? Il y a quelque chose par là? Non, il n'y a rien. Prêt pour le quiz kit de vendredi? Oui, je suis prêt. Pas tout à fait, mais je suis presque prêt. Il me manque quelques trucs. Je sais pas du tout. Est-ce que... Il y a une date quelque part. Bon sang. Là, j'ai rien. On n'a rien. Des fois, tu tournes. Des fois, tu tournes, mais pour Nib, quoi. C'est terrible, ça. Comment il veut que je sache, moi, la date de naissance du l'oncle Bob et de Harry quand il rencontre Sally? Est-ce qu'on peut le reprendre et l'écouter? Tell me about the fire, Lily. You were locked in, alone? No. We were not alone. No? Who else was there? The voice. I didn't invite it, but it... Oh, Lily. Donc là, on n'a rien. Regarde un peu, parce que... là, on n'a rien. Là, on peut passer, mais c'est pas ça. Là, j'ai rien vu. Là, on n'a rien non plus vu. Là, la vitre, on peut pas intervenir dessus. Là, tu restes bloqué pendant 12 ans pour rien, tu sais. Daddy, where is Marianne? She needs to stay at the hospital a while longer. Will she be all right? I want to see her. She's asleep, honey. The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Ah, c'est gentil. C'est gentil, je l'ai pas encore fait le quiz. Pour Lio et Soso, c'est pas encore fait le quiz. Donc là, on a ça, mais... On va réécouter, mais... Listen. You have to come with me now. Daddy? Where are you taking me? I'm sorry, baby. N'importe quoi. Je suis fatigué, je m'amuse avec ça pour rien. Thomas. What the hell did you do? Ah zut. Autant pour moi, je fais n'importe quoi. Bon, du coup, ça nous arrange pas, ça les loulous, parce que je sais pas. Et puis là, ça va être l'heure de s'arrêter. Clairement, les gars. Il n'y a rien là-bas. On n'a rien là. Est-ce qu'on peut passer sur le côté? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Je suppose que oui, les gars, mais... alors, le nounours, non, c'est fait. Ça, c'est fait. Là, on a la lettre de Tante Roland et du coup, j'ai rien, quoi. Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé là? On peut essayer 342, mais j'y crois pas, quoi. S'il nous avait laissé un papier avec une lettre pour nous dire ce que c'était le code et tu vois, moi du style à la Resident Evil, tu sais, le code du bureau et je vais aller me reposer, je te fais des bisous et des bisous à toi, merci mon Els. Du coup, je l'ai pas. Pardon les gars, je suis désolé, c'était 6h ce matin. Un peu fatigué maintenant.
Je vais tenter comme il dit Lionel 00. Alors, on va essayer 346, mais. mais j'y crois pas. Je pense pas que ce soit ça, mais. Non, tu vois, il en faut. Eh ben, c'est ça, c'est ça. Je sais pas du tout. On va attaquer par le zéro, peut-être. Et mais ils veulent pas nous donner le code, ce serait bien quand même, tu vois. Je veux rien dire, mais est-ce que dans les objets que j'ai dans. Dans les objets, j'ai pas quelque chose. Non, ça c'est le chatou, ça c'est le coupe-boulon. Ça c'est la lampe torche. Et dans les mémos. Hells Angels, non. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de date. Pas de date. Anniversaire, et c'est désespérément de la réveiller pour la sauver. Non, c'est pas ça. J'ai pas de code. Liste des tâches, renforce Pierre, rêve en f... qui est vrai. Non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Il y a. De non perturbé. On peut voir ce qu'il y a là-dedans. Illustration déchirée. Non, ça c'était il y a bien longtemps. Sur une autre galaxie lointaine. Journal d'un mentor. Fait voir un peu. Carte postale du gardien. Photo. Lettre d'excuse, petit garçon. Dans des sacrifices hein, pour un nouveau foyer. Non, c'est pas ça. Il n'y a rien là-dedans. Carte postale du gardien, est-ce qu'on a quelque chose sur les cartes postales du gardien? Pas du tout. Promotion, un jour pauvre, plus. Plus en plus difficile, regret. Plutôt. Non. Eh bien, j'en. Monsieur, madame, c'est rien, les gars, j'en sais rien. Non, et non. Trouver un moyen d'ouvrir cette porte dérobée, mais ça m'aimait, je ne sais pas. Josiane, elle est là, non, non, j'ai même pas de pouvoir, j'ai rien là. Putain, on est bloqué dans une salle à la noix là. Ça, c'est terrible quand ça fait ça, mais c'est vraiment terrible. Et c'est un truc à la. C'est sûr que c'est un truc à la con en plus, je suis passé 200 fois à côté. Ça, tu peux en être sûr. Quelqu'un a une idée, les gars. Mais quelqu'un a une idée ou pas? Non, ça c'est le même récépissé que. Il y a marqué 2192 tout en haut, mais ça doit pas être ça. Tu peux même pas la tourner ce truc là, tu peux juste la lire, ça fait suer quoi. 1404, 600, et non, t'as rien. Je sais pas. Je sais pas où c'est.
J'ai fait toutes les salles, je ne sais pas du tout où c'est. Est-ce qu'on peut remonter là? Ça m'étonnerait. Non, on est coincé ici. On peut se dédoubler, je ne pense pas. Donc celle-ci, on y est allé déjà de salle, bon sang. J'ai pas trouvé la montre. Il doit falloir trouver la montre et je sais pas où elle est. Je l'ai pas vue. J'ai pas vu du tout. Je sais pas où elle est. Est-ce que c'est par là? Non. Là, c'est la chaussure. Alors, je vais retourner dans la petite pièce qu'il y a là au fond, mais... Et montre-moi quelque chose, s'il te plaît, que j'ai pas vu là. Punaise, ça me rend fou de rester bloqué comme ça, mais ça me rend dingue. Ça me rend complètement dingue, ça. Rien que ça, on l'a déjà eu. Il y a autre chose sur les étagères, peut-être. Non. Ah ouais, c'est le don de m'énerver ces choses-là, mais vous pouvez même pas savoir à quel point. Hein. Est-ce qu'il y a un... Il doit y avoir un autre truc, mais quoi? Mais quoi, j'en sais fichtre rien. Là, tu peux pas y aller. Ça, c'est une lampe, mais nib, rien du tout. Et là, il y a petit ourson, mais petit ourson, on peut pas le déchirer, on peut pas l'ouvrir, on peut rien faire avec petit ourson là. On a écouté l'écho, on l'a pivoté, mais il y a rien dedans. Hein. Non. Ouais, mais j'aurais bien voulu finir le jeu là, mais il va falloir qu'on coupe, qu'on arrête là, et malheureusement je pense qu'il y en aura pour 10 minutes de jeu la prochaine fois, quoi. Mais ma chérie m'a bien dit pas jusqu'à 23h ce soir, hein. J'ai dit mais non. Bien sûr que non. Je pense que si, quoi. S'il y a quelqu'un qui a la soluce, je veux bien. Ou qui veut regarder la soluce, parce que je veux pas rester là 2 ans. Et je suis désolé, ça m'arrive jamais, ça, mais là... clairement. Là, il va falloir aller dormir, du coup, ouais. C'est ça. Je vois pas, hein, je vois rien du tout. Hein. On a fait 200 fois la salle, à droite et à gauche. Il n'y a pas d'autres pièces, on peut pas se dédoubler puisqu'on n'est pas, on est en un seul morceau. Donc du coup, dans les notes, on n'a rien. J'ai pas trouvé de notes pour nous dire où est-ce qu'il y avait le code. Il n'y a rien de marqué sur le nounours quand même, je suis pas bête. Non. Sur les murs, il n'y a rien. Je sais pas. Clairement, j'en sais rien là. Ouais, je pense qu'on doit être vers la fin, tonton. Il faut trouver le code de la porte là, mais j'arrive pas à le trouver. Je sais pas ce qu'il faut faire pour arriver à trouver ce code.
Faut le trouver dans la pièce, hein. Il doit pas être loin, mais j'arrive pas à savoir où c'est. Sérieux. J'ai pas vu de truc d'un paire de chaussures. On a regardé la chaussure dedans, peut-être. Écoutez, on a tout écouté. Attends. On a tout écouté, là j'ai des choses mais rien qui se voit et qui et pas de code, surtout pas de code. En plus même avec le ...1996, mais pourquoi? Mais en fait, pourquoi 1996? Mais c'est ça le truc. C'est que... On va essayer 1995, 16 alors. Ou le code, c'est le code. Il faut écrire le code. Mais ouais, je l'ai pas. Je suis vraiment... je sais pas où est-ce qu'il... Non, c'est pas ça. C'est pas 1996. Ah, 1966, pardon. Allô. Oui, allô, d'accord, oui. Zut. Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Mais je l'ai pas vu, 1966. Sérieux. Mais vous l'avez trouvé où, sérieux? Je sais pas du tout où est-ce qu'il était. Merci. Ah bon, on va pouvoir s'arrêter là alors du coup les gars. Écoutez, on va s'arrêter là. S'il reste 40 minutes, on va... Voilà, ça vient de... Oula, ça vient de finir. Non, sérieux. Bon. Écoute, attends, on va traverser le couloir noir et puis après... Et puis après on s'arrêtera là, je commence à me fatiguer et puis ça fait déjà 2h40 de live, c'est bien, pour le soir comme ça. Merci mon tonton. Merci à toi. Ouais, il faudra se débarrasser de cette saloperie, c'est vrai. Écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir, les loulous. On va se mettre tranquille et on va aller faire un petit dodo. Demain, on se retrouve sur du raft à partir de 18h chez les copains. N'hésitez pas à aller voir ce que fait notre bon tonton JP aussi sur sa chaîne Twitch. Bon, il n'a pas livé pendant une semaine parce qu'il avait un petit problème aux gencives. Et ça, je rigole pas parce que ça fait très très mal. Sinon, on se retrouve dès demain à partir de 18h avec les copains sur Raft. N'oubliez pas vendredi de voir avec vos communes pour les bouger un petit peu et leur dire qu'on fait un quiz. On fera le quiz à partir de 18h peut-être. Faites attention sur le Discord, je vous mettrai. Mais normalement, jeudi, je suis obligé de décaler le live que j'avais prévu pour le soir à 20h. Et je pense que je le décalerai sous les coups de 17h30, 18h plutôt. On verra. Ouais, on va essayer de se faire un bon quiz. Je vous embrasse très fort, les amis. Je vous souhaite de passer une très, 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 très bonne soirée, une fin de soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Des bisous et à ciao. Merci. Bye bye. À demain. Bougez pas. On va faire un petit raid. Si on a un copain quelque part qui est en train de liver. Mais bien sûr, alors regarde, on va aller chez Mademoiselle Quaricat. Ah, elle a fini The Last of Us, je vois. Et du coup, on va pas pouvoir aller chez elle. Je pense qu'elle a. Elle finit ça comme ça. Du coup, alors fais voir. Eh bien écoute, regarde, on va aller. Bon, Papa Brax, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du Among Us. Je vais vous envoyer sur du Among Us, les chouchous. Des bisous à tous et une bonne soirée. Vous lui faites un bisou de ma part. Et à très vite pour de nouvelles aventures, c'est-à-dire demain soir, 18h. Bye bye, ciao.
Mmh.